Je veux maintenant vous parler de ces beaux papillons, les Catocala, qui sont des papillons de la famille des Érébidés, autrefois parmi les Noctuidés. Ces beaux papillons-là, pour les voir, pour les capturer, ça prend absolument la technique de la mielée. C'est ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. La mielée, en fait, c'est une technique qui consiste à reproduire le phénomène des fruits en décomposition pendant l'été. Donc, en juillet ou septembre, les pommes tombent au sol, puis toutes sortes de fruits, en fait, pendant l'été qui vont tomber puis se décomposer. Ça attire une foule d'insectes parce que ça contient évidemment des nutriments, ça contient du sucre et toutes sortes de produits qui vont nourrir les papillons et autres insectes. Et donc, cette technique-là va reproduire ça. Ce qu'il faut faire, simplement, c'est un liquide sucré qu'on va appliquer sur les arbres pour attirer les insectes. Je vais... En fait, c'est ça, la façon de fabriquer la mielée est expliquée dans ce petit livre sur les papillons du Québec, dont je suis l'auteur. Ça fait que page 20 et 21, la recette pour faire de la mielée est très bien expliquée. Je vais quand même y aller dans les grandes lignes, là, juste pour vous expliquer un peu. Puis de toute façon, vous allez trouver le livre dans les librairies et les bibliothèques publiques si vous voulez vraiment avoir la recette que je suggère. Donc, comment on prépare la mielée? Je vais commencer par ça. Ensuite, je vais vous expliquer comment l'appliquer puis qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus aussi. En fait, l'histoire débute pendant l'hiver, quand on a des pommes trop mûres, trop molles, qu'on veut pas, personne ne veut les manger, ça reste là. Les bananes trop mûres, que finalement on n'a pas envie de faire du pain aux bananes avec, elle est rendue noire celle-là. Puis des raisins qui sont à un moment donné comme trop séchés un peu, qui sont pas très beaux, puis personne ne veut les manger. Ce qu'on fait, on les met dans des sacs au congélateur, rendu au mois de juin. On met ça dans un gros conteneur en plastique. Moi, j'utilise souvent des conteneurs de litière à chaud. C'est un bon format. Ça se traîne bien. Puis en plus, il y a une anse pour le transporter. Ça fait que c'est assez pratique. Ça ne ferme pas trop étanche. Fait que ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire décomposer les fruits dans ce conteneur-là. Donc, il ne faut pas qu'ils ferment hermétiquement. Sinon, les gaz de la fermentation le feraient exploser. C'est qu'on a besoin d'un couvercle qui ferme pas trop étanche, mais juste assez. Donc, à éviter tout ce qui est couvercle vissable, on oublie ça. On se sert pas de contenant avec un couvercle vissé pour faire de la mielée. Il faut que ça soit des contenants simplement avec le couvercle, des contenants en plastique avec un couvercle sous pression, compresse. Là. Donc, s'il y a trop de pression, il va s'ouvrir et le CO2 va sortir. On ferme pas ça étanche. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon contenant, je mets mes fruits qui vont dégeler dans le contenant. Le fait qu'il y ait gelé, ça, en plus, ça fait éclater les cellules. Donc, tous les nutriments dans le fruit, tous les sucres vont être... le sucre va être disponible pour la fermentation, pour les bactéries. Donc, on met les fruits, on met de l'eau jusqu'au niveau des fruits pour qu'ils soient à peu près couverts. Ensuite, on rajoute une tasse de sucre par litre d'eau qu'on a ajouté. Donc, si vous mettez 2 litres, ben avec 2 tasses de sucre, ça va être un bon mélange. Ça va initier assez rapidement la fermentation. Et déjà, après une semaine, vous allez avoir un liquide de fermentation assez intéressant pour faire la mielée. Puis moi, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vais peut-être une ou deux... soit à chaque semaine ou aux 2 semaines, j'ouvre le contenant, je le brasse un peu avec un bâton pour mélanger ça un peu. Ensuite, je le referme, mais même ça pourrait rester un mois comme ça sans être brassé, puis ça serait correct aussi. Ensuite, une fois que ça c'est fait, rendu au mois de juillet, quand on veut commencer à faire de la mielée, donc je dirais à peu près, ça peut aller à peu près à la 2e ou 3e semaine de juillet pour les Catocala, mais en fait, pendant tout l'été, on peut faire de la mielée, mais on n'attrapera pas des Catocala nécessairement là, au printemps ou au début de l'été. On va attraper d'autres espèces qui ne seront pas exactement celles-là, mais c'est intéressant pareil.
Donc, je vais rendu au mois de juillet, quand je veux attraper mes 4 Oukala, je vais faire, comme j'expliquais dans le livre, il y a une recette qui explique comment faire toute la miellée. Donc, la partie qui est le liquide de base, là, qui est un liquide épaissi avec de la fécule de maïs. Donc, on épaissit un liquide chaud. Avec la fécule de maïs, on ajoute aussi de la cassonade, on peut aussi mettre de la mélasse, ça pourrait être aussi du sucre blanc. Mais ça, c'est deux substances, la mélasse et la cassonade, qui sont excellentes pour donner du goût à notre miellet et donner beaucoup de sucre. Évidemment, quand on épaissit un liquide avec la fécule de maïs, c'est très chaud, donc ça va prendre un parent. Pour les enfants qui voudraient faire ça, ça va vous prendre un parent pour préparer ça parce que c'est dangereux. Ça peut se mettre à bouillir tout d'un coup. Ça fait un gros dégât. C'est brûlant. C'est très chaud. Une fois que vous avez votre liquide épaissi, vous allez y incorporer le liquide des fruits en décomposition dont je parlais tantôt. L'avantage du liquide épaissi avec la fécule de maïs, c'est que le liquide est épaissi, donc ça va s'appliquer sur des arbres avec un pinceau, pareil comme si c'était de la peinture. Et la fécule de maïs donne une viscosité, donc un liquide assez épais, qui va conserver les sucres et les arômes de nos fruits en décomposition. L'éthanol aussi, donc l'alcool qui est issu de la fermentation. Ça va rester plus longtemps dans notre liquide. Ça fait une sorte de gelée qu'on applique en fait sur les arbres. Donc ça va rester imprégné dans ce produit-là, dans la fécule de maïs. Ça va sentir pendant toute la nuit. Puis ça va empêcher notre miellet de couler tout d'un coup au sol ou d'entrer dans l'écorce des arbres parce que souvent on va mettre ça sur des arbres avec une écorce assez crevassée, donc avec beaucoup d'interstices. Puis le liquide épaissi va rester collé là-dessus. Si c'était très sucré comme juste de l'eau mélangée avec du sucre, ben, on mettrait ça puis ça coulerait d'un coup au sol. Puis aussi ce qui arriverait, c'est que ça pénétrerait direct dans l'écorce. Puis ça va sécher rapidement, puis ça marchera pas. Ben, ça marchera pas tellement bien. Je l'ai déjà essayé, puis c'est pas fameux. Il faut vraiment l'épaissir autant que possible avec de la fécule de maïs. Quelqu'un de bien mal pris, là, qui a pas de fécule de maïs, il peut prendre carrément de la mélasse, puis aller mettre ça sur les arbres. C'est pas l'idéal, mais ça pourrait faire aussi. Ensuite, une fois qu'on a notre mélange qui est bien prêt, on va l'appliquer sur des arbres en forêt. Là, ça nous prend un sentier bien propre. Là, je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que j'entends par propre. L'affaire, c'est que nos fameux papillons, les eribidés, sont des papillons qui ont une ouïe fine, donc ils entendent très bien. Ils vont entendre les ultrasons des chauves-souris qui sont leurs prédateurs. Les chauves-souris attrapent les papillons et les dévorent. Ils y ont donc développé avec l'évolution. Il y a une sélection naturelle. Ceux qui entendaient les chauves-souris avaient plus de chances de survivre. Ça donne que ces bons gros papillons sont maintenant capables d'entendre venir les chauves-souris. Sauf qu'il n'y a pas juste les chauves-souris dans la forêt qui font des ultrasons. Il y a aussi les branches qui craquent et les feuilles qui craquent. Quand vous marchez dans la forêt, vous faites beaucoup de bruit que vous n'entendez pas, en fait. Mais les papillons les entendent. Alors, vous allez devoir trouver un sentier où s'il n'y a pas de branches, où vous allez au moins tasser quelques branches quand vous allez, avant d'installer votre miellet. Vous allez vous assurer que vous êtes sur un sentier assez propre pour ne pas faire trop de bruit pendant la nuit. Ensuite, vous allez aussi, autant que possible, là, des sentiers couverts de copeaux de bois. Là, c'est les plus silencieux quand on marche. S'il y a un petit peu de gravier, ben bon, c'est un peu bruyant. Donc, vous allez trouver ça. Puis aussi, un sentier propre, mais aussi, il faut faire attention aux journées venteuses. S'il vente, ça ne sert presque à rien d'aller faire de la miellée, parce que quand il vente fort, les papillons sont trop nerveux, puis
ça fonctionne pas. Je l'ai essayé plusieurs reprises et c'est assez décevant. Donc, à partir. Donc, pendant le jour, avant qu'il fasse noir, au moins peut-être une heure avant qu'il commence à faire noir, vous arrivez avec votre contenant de miellet, votre pinceau, vous allez mettre la miellet à peu près à hauteur de vos yeux. Juste un coup de pinceau, c'est quand même d'habitude assez, là. Vous allez faire ça sur 30, 50, une centaine d'arbres si vous voulez. Sauf que vous allez devoir les visiter régulièrement pendant la soirée ou la nuit. Je ne sais pas combien de temps vous pensez rester là, mais d'habitude, moi, en tout cas, à minuit, je suis pas mal mort. Mais vous pouvez rester là toute la nuit. Il y a des espèces qui arrivent tard en soirée. Ça commence habituellement vers 9h30 là, pendant le mois de juillet-août. Là, ça va arriver vers 9h30, je dirais. 9h, 9h30. Puis là, vous allez commencer à voir arriver des papillons dès l'application, le temps de vous rendre jusqu'au bout de votre sentier. Quand vous allez revenir, vous allez déjà voir quelques petits papillons. Puis là, c'est un signe que vous avez réussi votre miellet, c'est qu'il y a des insectes qui s'y nourrissent. Vous allez voir des petits géométridés, là, des espèces de petits papillons. Il y a d'autres espèces aussi, des rubidés, des noctuidés aussi. Vous allez voir Noctua prunuba. C'est un papillon assez commun sur la miellet. Il va arriver avant les catocalas habituellement. Oui, donc c'est pas un catocala, mais c'est quand même un bel insecte. Un insecte exotique. Un insecte européen qu'on a au Canada depuis déjà plus de 20 ans. Donc, vous allez voir donc premièrement ces papillons-là et ensuite les catocalas. Ensuite, pour capturer les fameux papillons, comment on fait? Parce que sont quand même sensibles, comme je disais, au déplacement de l'air et au bruit. Puis vu qu'ils sont sur des troncs d'arbres, on ne peut pas arriver avec un filet à papillon puis racler l'arbre avec sa miellée. Là, ça serait épouvantable, le résultat avec le filet à papillon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Je vais vous présenter deux techniques assez utilisées. Moi, j'utilise plutôt celle avec ce contenant en plastique sur lequel j'ai, sous le couvercle, j'ai broché avec une brocheuse de bureau, là, un morceau d'éponge, genre d'éponge cartonnée. Là. Ça pourrait être même un carton gaufré. Là. Vous mettez de l'acétate d'éthyle là-dessus. Dans le fond, vous mettez aussi un petit mouchoir avec de l'acétate d'éthyle. Vous mettez un mouchoir par-dessus pour que vos papillons n'entrent pas en contact direct avec l'acétate d'éthyle parce qu'ils vont l'absorber puis ils vont être. Les ailes vont toutes se coller. C'est pas fameux. Donc, on y va comme ça. Le papillon, pendant qu'il se nourrit, quand il vient d'arriver, le papillon, là, il est assez, souvent, il est assez nerveux. On le voit que les ailes vont vibrer un peu. C'est un peu risqué dans ce temps-là de s'approcher. Il va avoir tendance à s'envoler avant même qu'on soit proche. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on peut attendre un peu là, qu'il se calme. Quand on voit qu'il est vraiment en train de se nourrir, on voit la trompe qui est sortie et qu'il boive, là. Là, il va être habituellement assez tranquille. Il va commencer à absorber de l'éthanol, là, de l'alcool, ça, que ça va peut-être le calmer aussi. Ensuite, on arrive tranquillement en dessous. Puis juste le contact du plastique, même quand il est juste à proximité du papillon, il va sentir qu'il se passe quelque chose. Il va penser qu'il y a une chauve-souris qui arrive. Il se laisse tomber sur le dos pour s'envoler. Ça fait que là, il va tomber dans le contenant. Puis quand il va arriver dans le mouchoir, ben il va se calmer un peu parce que c'est un peu comme dans du feuillage, là, ce qui va, il va se calmer là-dedans, puis il va s'endormir au début. S'il reste longtemps, il va finir par en mourir, mais au début, il va juste s'endormir avec l'acétate d'éthyle que j'ai mis un petit peu dans mon contenant. Là, une fois que mon papillon est bien endormi, là, je peux le sortir, le regarder s'il convient à ce que je veux dans ma collection, si c'est l'espèce que je veux, ou si je suis pas sûr de l'espèce, je vais le conserver pour l'identifier une fois mort. S'il y a des défauts puis que je veux juste des beaux papillons, ben je peux le laisser partir. Il va finir par se réveiller parce qu'il est juste endormi au début.
Puis moi, quand je fais des animations avec les enfants, ce que je fais, c'est que je le prends à ce moment-là, puis je leur montre le papillon. Ils peuvent y toucher, enlever des écailles, voir comment c'est doux, puis comment c'est fait. J'en profite pour expliquer un peu comment c'est fait les ailes de papillon, comment c'est recouvert d'écailles. Puis les papillons, ils ne vont pas mourir parce qu'on enlève des écailles, là. C'est pas vrai. Un papillon peut vivre sans ses écailles. Sauf qu'il va être moins beau, mais c'est pas grave, il va vivre pareil. Aussi, ce que je fais, c'est que bon, il y a un enfant qui va le prendre, qui va aller le mettre au bas de l'air d'un arbre, puis à un moment donné, le papillon se réveille, puis il s'envole. Puis ça finit comme ça. C'est la technique quand on veut que le papillon survive avec ça. Sinon, si on veut le conserver, on a un autre contenant identique que lui, on ouvre seulement quand on veut mettre des papillons qu'on veut conserver dedans. Ça fait que les papillons rentrent dedans, puis on les met dedans, puis on les accumule jusqu'à temps que on retourne à la maison, puis qu'on met ça, qu'on remet dans un... Je mets ça dans un autre sac, après ça, dans un sac, puis je mets ça au congélateur pour la nuit. Le lendemain, je suis certain qu'ils sont morts, parce que des fois, l'acétate d'éthyl, la concentration n'est pas assez forte dans le contenant, puis ils vont se réveiller pendant la nuit, puis ils vont tout briser, ils vont tout se briser. Ça fait qu'il faut être certain que nos papillons vont mourir pendant la nuit. C'est pour ça que je les mets au congélateur, pour être certain. Mais normalement, s'il y avait quand même beaucoup d'acétate d'éthyl, là, une bonne concentration, une bonne vapeur, ça devrait les tuer. Mais j'ai eu souvent des mauvaises expériences avec ça. Donc, je préfère le congélateur en plus. L'autre technique que je n'utilise pas, mais qui est très bien, c'est une bonne façon de faire. Vous allez voir assez vite pourquoi je ne m'en sers pas, parce que souvent, quand je fais de la technique de la lamiellée, j'en profite pour faire de la vulgarisation avec des jeunes. Puis souvent, il y a toujours des jeunes assez excités de voir des beaux papillons, puis que ça court partout. Puis là, la technique consiste à attraper le papillon avec le sac, un sac Ziploc. Ce qu'on fait, c'est qu'on place ça comme ça. Là, le papillon va tomber dans le sac, on le referme. On pique le papillon dans le thorax avec une seringue. On injecte même une demi-goutte d'éthanol ou d'alcool à friction. Puis le papillon va mourir instantanément. Ce que j'aime pas, c'est l'aiguille avec l'alcool dedans. C'est un petit peu stressant quand les enfants excités autour. Ça que j'évite ça. C'est aussi une technique qui permet pas de laisser partir le papillon après. Une fois qu'il y a eu sa dose d'alcool dans le corps, il meurt instantanément. La façon que c'est fait à l'intérieur d'un insecte, c'est qu'aussitôt que tu injectes un produit dedans, ça s'éparpille partout dans le corps en même temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de système sanguin très élaboré comme nous autres. Là. C'est vraiment tout baigne dans l'hémolymphe, l'espèce de sang qu'ils ont. Puis, surtout que tu injectes un produit là-dedans, ça se retrouve partout. Puis la mort est instantanée avec l'éthanol. Donc, en tout cas, même l'alcool à friction, ça fait pareil. Ça tue instantanément une fois injecté. Ensuite, il y a aussi... il y a ce qu'on peut utiliser aussi des fois. Quand vous êtes parfois à l'étranger et vous n'avez pas d'acétate d'éthyl, ce que vous pouvez utiliser, c'est le dissolvant de vernis à ongles. C'est pas merveilleux, mais en tout cas, ça permet d'endormir des insectes quand même. Là. C'est pas aussi bon que l'acétate d'éthyl. Là. Ça contient beaucoup d'eau, je dirais aussi. Ça fait que c'est pas très bon, mais des fois, ça peut dépanner pour endormir des papillons. Mais dans ce temps-là, tant qu'à ça, on utilise la seringue là, pour les gros papillons. Mais pour endormir des petits papillons, ça pourrait faire l'affaire. Ensuite, autre chose. Là, une fois que vous allez appliquer votre... vous allez avoir appliqué votre miellée, vous allez voir qu'il n'y a pas juste les catocalas qui sont attirés par la miellée. Il y a vraiment toute une foule d'insectes qui vont arriver. Il va y avoir des coléoptères, donc des carabidés, c'est assez abondant. Carabidés, c'est des petits coléoptères, en tout cas, en général, sont petits, puis c'est des prédateurs qui vont manger des petites chenilles puis des pucerons la nuit. Donc, ils vont grimper sur les arbres, puis quand ils vont sortir de la miellée, ils vont aller se nourrir dessus.
Il y a aussi les Asmodermes qui sont des gros scarabées qui vivent dans les troncs des arbres pourris. La larve, elle se nourrit des copeaux en décomposition. Là. Puis, des beaux gros coléoptères qu'on a dans nos forêts. Aussi, on va trouver parfois des sylphidés qui sont des coléoptères qui se nourrissent normalement soit d'animaux morts ou de crottes d'animaux. Puis, la mielée, c'est une bonne source de nourriture pour eux. Puis, il y a certaines espèces qui vont s'en nourrir. Aussi, on va trouver beaucoup des camélines, qui, en particulier sur les arbres morts. Quand vous mettez de la mielée sur des vieux arbres morts avec des cavités, je pense que les camélines se cachent pas mal là-dedans dans le jour. Puis, la nuit, ils sortent par les trous, puis ils vont se nourrir sur la mielée. Puis, c'est assez le fun à voir. D'ailleurs, à la fin complètement du générique, vous allez me voir faire partir une caméline avec mon doigt. C'est bien drôle. Ensuite, il y a des opilions, qui ne sont pas des insectes, mais quand même, on les voit à la mielée. C'est ce qu'on appelle aussi les faucheux. Il va y avoir des tipules, une espèce de gros moustique qui va se nourrir de la mielée. Les limaces aussi, il y a toutes sortes de limaces. Il y a des limaces exotiques dans les boisés urbains que je connaissais pas. J'ai été assez étonné de voir mes premières grosses limaces rosées et violacées, là, des gros points noirs là, qui se promènent sur les troncs des arbres la nuit. Puis c'est une façon de les voir grâce à la mielée. Puis il y a aussi les ténébrions qui. Certains ténébrions qui vont se nourrir de la mielée. Donc pour ça, il y a aussi malheureusement, vous allez peut-être attirer des ratons laveurs. C'est bien beau, c'est bien cute, là, mais le problème, c'est qu'il faut pas les encourager, faut pas les nourrir, faut pas s'approcher d'eux pour rien, parce que c'est des vecteurs parfois de la rage, puis c'est pas bon de nourrir les ratons laveurs, faut s'en tenir loin. Donc, quand vous avez fini d'appliquer votre mielée, vous fermez votre contenant, vous mettez ça dans un sac et vous allez mettre ça dans l'auto pour pas attirer pour rien les animaux là-dessus. Il va y avoir aussi des petites souris. Puis, étonnamment aussi, vous allez peut-être voir le grand palatouche, un écureuil volant qu'on a au Québec. Assez impressionnant que pas grand monde l'a vu, mais j'en ai vu se nourrir à la mielée. J'étais très excité. J'ai fait une très mauvaise photo, comme vous pouvez voir. Mais en tout cas, j'étais content. C'est quand même assez le fun à voir. Il mangeait des petits morceaux de banane sur ma mielée. Puis, à part de ça, à part le palatouche, le raton laveur et les souris, il va avoir parfois. Il pourrait avoir des ours noirs. Ça m'est jamais arrivé d'en voir à la mielée, mais bon. J'essaie de pas aller faire de la mielée non plus, où il pourrait avoir de l'ours noir. Ça me tente pas tellement, mais en tout cas, je l'ai pas essayé. J'évite en tout cas ces boisés-là. Ça m'est arrivé en fait de mettre de la mielée dans des boisés où il pouvait en avoir, mais je pense en marchant régulièrement dans nos sentiers habituellement, je pense qu'ils se tiennent loin autant que possible des êtres humains, mais bon, j'essaie de pas les rencontrer. Donc, il y a ce beau papillon ici dont je voulais vous parler. C'est un Sakatukala, c'est le Liniella. C'est un des premiers spécimens qui a été capturé dans la région de Québec. Et c'est un spécimen que j'ai attrapé en 2010 à Sainte-Foy. Heureusement que je l'ai capturé puis que je l'ai épinglé puis étiqueté, parce que je savais pas à ce moment-là à quel point c'était une belle découverte. C'était en fait une fin de soirée, il commençait à pleuvoir, je me suis dépêché, j'ai couru dans le sentier pour m'en aller, puis là j'ai passé vite devant un arbre où il y avait un petit papillon que ça me disait trop rien, je savais pas trop c'était quoi, je voyais pas les ailes secondaire, donc il était caché par ses ailes primaires qui sont juste grises et noires, puis je savais pas trop c'était quoi. Je l'ai ramassé pareil, puis le lendemain matin, j'ai trouvé ça dans mes papillons que j'ai sortis du congélateur. J'étais bien content. Donc,
C'est ce qui arrive, c'est que avec ces papillons-là, les catocalas, c'est difficile des fois de les identifier la nuit. Puis le mieux, c'est de les ramasser puis les identifier le lendemain. Bien sûr, on fait attention de bien les épingler puis bien les étiqueter parce que c'est intéressant après ça de conserver ça puis les remettre plus tard à une collection publique parce que c'est quand même des spécimens qui ont permis de voir l'aire de distribution de l'insecte s'agrandir grâce à des captures comme ça. Comme entomologiste amateur, c'est quand même une belle contribution à l'entomologie. Donc, c'est ça. Je pense qu'avec ça, vous êtes capable de faire vous-même des miellets et de découvrir des espèces intéressantes ou du moins d'améliorer vos connaissances sur les insectes en les découvrant de cette façon-là. À la prochaine.